Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Warhammer Battle Sector. On est en train d'essayer d'activer nos portes, ce qui devrait se faire incessamment sous peu. Pourquoi ? Oui d'accord, j'avais Carlon de sectionner et il m'avait pas cliqué sur ça, je comprenais pas. Donc là on a des petits trucs qui sont avancés mais rien de fondamental, on va pouvoir avancer sur Serenity jusqu'ici pour activer la porte. Et donc ici on va avancer les séraphines qui vont également activer la porte. Ok, ça présage rien de bon. Éliminer toutes les forces tyrannides restantes. Et ben avec plaisir. Avec un grand plaisir. En avant. C'est parti les filles. Cramez-moi ces cons. Pas ouf mais pas mal. Ici, on va... Alors avec ton flingue, tu as une portée optimale de 5. 3, 4, 5, il faut qu'on dirait qu'on soit ici ou ici. C'est 5 inclus ou 5 pas inclus? 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Hop, on va prendre le petit dégât de plus. Ouf, deux fois on a pris 40 là. Waouh, ça valait le coup. On les a juste annihilés les mecs. En avant. On avance. Là c'est du Gen Stealer, hein. Ils peuvent faire un peu mal aux fesses mais c'est pas grave. Trois morts, c'est pas si mal. Là par contre va falloir tracer la route en avant. Ici bah malheureusement on va pas pouvoir faire ce que je voulais mais c'est pas grave, on a besoin qu'ils viennent au taf. Donc go. Toi c'est pareil, viens là. Ici est-ce qu'on peut balancer une petite grenade? Ça fera déjà une unité de moins. Non, ça va même pas, ça va même pas tuer quoi. Ici, on a activé la porte. On peut avancer d'une case ou tirer d'ici. On va tirer d'ici. 60% c'est pas ouf mais... Oh non, c'est naze. On prend tous les murs. Donc on va avancer pour la suite. Hop là, c'est parti. Ah, ils sont considérés comme à couvert là. C'est chiant ça. Allez, le petit coup d'épée qui fait plaisir. Voilà, merci. Dans leur dos. Oh, ça fait tellement le taf l'archiviste. Lui on va l'avancer par là parce qu'il va pouvoir aller filer un peu de renfort par ici rapidement également. Que mine de rien, il y a quand même sacrément du peuple là-bas. Toi du coup t'as pas tiré. Vérifie qu'il n'y a rien ici. Y'a rien de rien. Non, y'a rien de rien. Ok, reviens par là. Du coup le dreadnought il sert pas à grand chose malheureusement. Là on va se contenter de couvrir si jamais quelque chose veut descendre. Sur ce côté là on va pouvoir avancer. Alors est-ce qu'on envoie des gens par là? Non, ça me paraît pas utile. On va envoyer le Land Spider vite fait en éclaireur. Ok, une épine dorsale ici. C'est bon à savoir. En avant. Les Inceptors devant. Vous aussi. Donc on entend le petit bruit de du poison mais il s'active pas en vrai. Viens là toi,
toi tu vas... Ah, tu peux pas mettre d'armure, mais tu peux soigner, vas-y. Ici, on va donner un petit boost à eux. Et toi, s'il y a des trucs qui viennent venir au corps à corps, tu feras quelques tirs, ça fera pas de mal. Il y a du peuple là, hein. Ouh, il y a du monde. Bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi des forces assez lourdes en face. On n'a pas réussi à le finir. Les dévoreurs, ça fait pas, voilà, c'est acceptable quand même comme dégâts. Bon là, on lui fait rien avec nos flammes, c'est bien dommage. C'est combien à lui? 12 PV. Il va avoir une attaque quand même. Moi je serais un petit peu chafouin, je trouve que ce serait un peu abusé. Alors l'attaque de réaction là, parfait. Ici, zone de contrôle, parfait. Il m'attaque du coup. Le petit revers de coup de crosse qui fait pas de dégâts, hein, on peut tout avoir. On a éliminé deux unités, il a gardé son unité pleine pour la fin, c'est pas déconnant. Ici ça fait un petit peu d'impulsion, c'est pas si mal. Alors... il en reste plus que 6 et je crois qu'on les voit tous hein, du coup, ouais, on les voit tous. Ça devrait être assez aisément nettoyé. Bon là nos unités lourdes sont un peu derrière mais c'est pas très grave. Avec ce qu'il y a en face, c'est pas non plus monstrueux. En fait c'est lui avec ses 3 PV là. J'ai envie de l'amener là du coup. Tu pourrais me finir celui-là là. Voilà, merci. Ici du coup, on peut venir dans leur dos. Ce qui me va plutôt bien. Je vais leur tronçonner la tronche. Et on leur fait pas si mal que ça, hein. Franchement. Là, un petit coup de hache énergétique. De mort, c'est pas mal. Alors ici, il n'y a pas de zone de contrôle si je me barre, tiens. Tant mieux. On va s'en servir. Il y a de la résistance clairement. Toi tu viens là. Toi tu vas venir ici finir ça tant qu'à faire. Toi tu vas terminer eux avec ta petite tronçonneuse. Voilà. Encore un coup. Alors là on peut rien utiliser parce qu'on est en intérieur malheureusement, donc les renforts sont bien sûr un petit peu indisponibles, hein. Logique. Ici, on met un petit coup d'arme énergétique et là on allume. Et un petit coup de canon. Ok, c'est propre, c'est très propre. Tout le monde a joué. Tout le monde a joué ici. Ok, passons au centre. Au centre, il y a de l'action. Donc là, on peut terminer ça normalement. Même pas. Elles se sont concentrées sur ceux qui étaient pas tout à fait. Tout à fait terminés. Toi. Viens soigner un petit peu, s'il te plaît. The blood is strong. Do not falter. C'est marrant, ils ont plus de zone de contrôle, je sais pas s'il y a un truc qui fait que... Bon, on va pas s'en plaindre, hein, mais... Hop.
Et un petit dernier coup. Voilà, vous allez là, vous finissez celui-là, s'il vous plaît. Merci. Et puis, comme j'imagine qu'il va falloir qu'on avance, on va avancer. Ici, il nous reste une unité. Elle est où? C'est vrai, ça, elle est où? Ah merde. Ah là, oui, pardon, il reste ce guerrier. Excusez-moi. Dans le doute, on va se mettre en surveillance. Ici, on va se commencer à avancer par là-bas. En vérité, le Dreadnought ils sont un peu la masse, mais c'est pas grave. Il reste toi, avance une case et on passe le tour. Alors lui il se barre. Aïe! Aïe! Dis donc, c'est très très vilain tout ça! Moi je trouve ça pas très 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 gentil. Allez, la petite hallebarde de force qui fait plaisir. Alors, je peux entendre, notre père est attaqué. J'arrive monseigneur, mon épée est à vous. Oula. Carrément le père c'est l'empereur, non? J'espère qu'il va pas se mettre à défendre. Personne ne se mettra en travers de mon chemin. Mort aux traîtres. Kindar, pas encore. Sans maudit, pas encore. Ah, il va se mettre à défendre le tyrannide. Alors du coup... effectivement, on n'a plus frère Kindar dans le groupe. Par contre, on peut prendre un archiviste Dreadnought. Par contre, comment ça se fait qu'on est toujours à 1995 alors qu'on n'a plus frère Kindar? C'est peut-être pas compté. Bah, on va prendre un archiviste Dreadnought. Hein. Hop. On verra s'il est compté ou pas. Stormbolter et la barbe de force. Explosion mortelle infligeant 50 de dégâts et 3 de perforation aux unités situées dans un rayon de 1 case. D'accord. Au niveau de mise à niveau, donc on peut plus améliorer ça. Si, on peut améliorer ça, mais ça sert pas à grand chose. Enfin, c'est grisé. Ici, on peut filer un pistolet à plasma à Sorverity. Pas mal. Et ça, c'est quoi? Plus 1 d'armes dégâts à distance, arme d'armure, 5% d'évasion. Ça coûte un peu trop cher, hein. Bon, on va se détendre. Ici, invoquer l'esprit de la machine, cible un allié mécanique, plus 15 de précision, plus 25% de dégâts. Améliorer ça, non. Dynamise la soif rouge d'une unité amie dans un rayon de 9 cases. La soif rouge, c'est pas le truc des... de eux, là? Non, c'est la rage noire, eux. Alors, je sais pas ce que c'est trop que la soif rouge. Je crois que c'est le nom... On va prendre ça. Plus 1 de perforation d'armure pour toutes les unités QG, pourquoi pas, c'est pas mal. Du coup, on va filer l'épée de Sanguinus à notre ami Carleon. 50% de dégâts, plus 2 de mouvement, moins 15 d'évasion. C'est pas mal. Et il nous reste 3 points. On peut prendre ça, ça pourrait être utile. Hein. Je pense que ça, ça va nous être utile pour éventuellement le boss. Donc on va prendre ça. Et du coup, on est parti. Nous poursuivons frère Kindar, ses pouvoirs psycheur lançant le lourd Dreadnought devant nous. Les cadavres des tyrannites sont mis de côté comme des poupées de chiffon. Nous enfonçons dans les ruines, mais nous perdons l'archiviste dans les salles obscures de cette ville morte.
but we lose the librarian to the darkened halls of this dead city. Des ombres glissent sur nous, le test de Xenos, l'aspiration, la feinte. Mes frères les mettent en pièces, mais ce n'est qu'une question de temps avant que l'obscurité ne se déchaîne et nous écrase tous. Une explosion, Cronius fonce devant, le technarine plus souple que je ne l'ai jamais vu. Nous courons, nous sommes confrontés à un tableau violent, à la fois beau et tragique. Ah. Alors, le choc de la mort de Sanguinus, au plus fort de l'hérésie Horus, a envoyé des ondes de choc psychique à travers toute la 9ème Légion. Aujourd'hui encore, le souvenir de cette trahison résonne dans les génothermes des Blood Angels. Lorsque ce contre-coup psychique devient trop fort pour un frère de combat, il se perd dans des hallucinations remplies de rage et succombe à la rage noire. Même ceux qui sont enterrés dans le cercueil d'un Dreadnought ne sont pas à l'abri des risques inhérents à leur génogerme. Même si l'existence de la rage noire n'est pas tenue secrète, les Blood Angels tentent de minimiser les preuves de l'existence de la faute devant les non-membres du chapitre, surtout lorsque des psychers sont impliqués. Et là, c'est un petit peu l'échec parce que Sir Verity a bien profité du spectacle, hein. Ah, il est vénère. Tyran des ruches! Le tyran de Baal Fortunata. Ah, il a buté frère Kindar en l'empalant. Tuez-les tous! Qu'aucun d'entre eux n'atteigne le corps de frère Kindar! Parfait! Alors, on est quand même à 2300 sur 2001. Comment ça se fait? Je proteste? J'ai plus frère Kindar. Ah mais de toute façon il coûtait 0, je suis con donc bon il pouvait pas... Ah bah oui non c'est pour ça. Il coûtait 0. Il coûtait 0 donc du coup bah non on va être obligé de se passer de l'archiviste Dreadnought. Alors il est où le corps de frère Kindar? J'imagine plus ou moins au centre non? Par là probablement. Ok, alors, on a frère Kindar en moins, mais c'est pas grave. On va pouvoir déployer assez largement, et ça c'est cool. Une escouade d'assaut par ici, hop, Séraphine par là. Un archiviste là, un archiviste là, Sir Verity. Lieutenant Carleon, tu vas aller à droite pour changer un peu. Frère Arturo au centre, le Tech Marine là, toi tu vas là. Inceptor par ici, Hellblaster, il reste pas une première ligne, s'il reste une première ligne. On est un peu faiblard sur ce côté. On va mettre le Dreadnought. Et là, le blaster là. Allez, c'est parti. Approchez du cadavre de Kindar. Ok, c'est là. Donc du coup, on a de la gargouille en face. Du Hergmonaute. Ici, on a un Tyrannophex par contre. Ici, on a un autre Tyrannophex. Ok, on a quand même du lourd en face. Hein. Allez, c'est parti. On va lancer la petite compétence directe. Toi, tu peux arriver dans son dos, et ben j'ai envie de te dire, fais-toi plaisir. Ici, on va se préparer à allumer. 100% de chance de toucher. On va pas se gêner. Bim. Clairement, c'est lui la priorité pour l'instant. Toi, t'as combien de perforations d'armure? 3. C'est pas suffisant, il nous faudrait du plus lourd, genre vous. Il y a du peuple en plus, on va devoir cramer toutes nos compétences directes dessus. C'est un petit peu chiant, mais bon. Oh, ils ont tellement de vie, c'est con. Allez, le Tech Marine, c'est le moment de se mouiller là. Voilà. On va le protéger un peu, là on se tourne. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, on peut aller utiliser un peu du lance-flamme, histoire d'aider. Voilà, c'est parti, cramez-les. Merci.
Ici on a quand même les Séraphines, mais elles sont un petit peu loin, même si j'active ça, elles sont quand même assez loin. On a le Dreadnought par contre. On a également une escouade d'assaut. DL Blaster, le lieutenant Carleon. Alors l'escouade d'assaut, on va l'envoyer là pour foutre le feu au petit malin qui voudrait jouer au grand. Voilà. C'est parti. Voilà, ça fait le taf. Maintenant, toi. Ah, elles sont trop loin. Si je fais ça, ils sont plus trop loin. Alors, viens là, en espérant que vous allez pas être gênés. Non, parfait. 100% de chance de toucher. C'est pas mal. Vous venez ici. Toi, tu viens là, tu vas t'occuper de cela. ...63% de chance seulement, non, il faut plus. On va les booster. Allez, on prend ça, on tente. Parfait. Bim bim bim, ok, ça c'est fait. Alors il reste du monde, hein, mais au moins les deux Tyrannofex qui étaient évidemment trop proches, ils sont gérés. Ici on va tracer, toi tu vas me faire le plaisir de défoncer ça. Oh, il reste rien, tant pis. Allume un peu par ici aussi. Parfait. Là, le petit coup d'épée qui fait plaisir. Alors, ici on est un petit peu dispersé. On a Sir Verity qui pourrait quand même filer un coup de main, on va l'envoyer. Les Inceptors. Ils vont couvrir là. Alors est-ce que je tire? Non, je ne vais pas utiliser mon tir pour ça. On va surveiller dans ce coin là. Toi tu viens là. Oh la vache, c'est si protégé que ça. Bordel. Bon bah tant pis, on va finir eux. C'est pas ouf mais c'est comme ça hein. Ici. Voilà, vous protégez devant. Les Hellblasters, par ici, frère Arturo, tu vas rester un peu central. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Ici, on tire. Alors, on va se mettre de ce côté-là, comme ça on couvre un petit peu la zone. Ah, on a activé... son pouvoir, ça c'est cool. Parfait. Alors, on avait juste 20% de chance. Alors ici, est-ce que ça vaut le coup de tirer? Absolument pas. Ça vaut le coup de couvrir. C'est ça, ça donne 40 d'impulsion, c'est bien ça la soif rouge. Allez, 40 d'impulsion pour lui. Il couvre un peu. Allez, en avant. Il faut qu'on s'approche de son cadavre. Donc là, il m'attaque plus ou moins par derrière. Ouf. Ta pique. De toute façon, il y en avait les deux côtés, hein, donc je pouvais pas vraiment couvrir les deux côtés. C'est marrant cette ces replis à chaque fois. L'attaque de réaction, ça fait toujours plaisir. Alors s'il s'approche, voilà.
leur crame la tronche. Parfait. Et lui aussi. Même si c'est un petit bolter. Il en reste un. Ah, rien, le coup de crosse, hein, c'est pas hyper efficace, hein, mais bon. Alors là, ils se mettent en surveillance. Lui, il va tenter une attaque. Ah oui, c'est un truc à distance. Ouais, bon. Ça va. Pour aller finir avec un petit coup de pistolet ou un truc du genre. Ok, on va pouvoir leur cramer la tronche. C'est pas plus mal. Alors ici, on va pouvoir avancer avec eux et on va le faire. Toi, c'est parti. Tu les dépouilles s'il te plaît. Encore. Alors là on va mettre un petit soin. Parfait. Ça, ce serait plus efficace si on y allait avec qui, en fait avec toi, mais ils ont déjà fait le taf. Allez, envole-toi. Bim. Trop proche, ils peuvent rien faire. Ok, c'est nickel. Ça protège le chemin. Toi t'avances. Vous allez par ici. Vous allez par ici. Toi j'aimerais beaucoup que tu ailles là. Ça te fait faire un tour un petit peu la con. Toi t'as plus de points d'action donc tu vas avancer. Les séraphines ici elles vont servir je pense à couvrir ce coin donc toi. Finis ça. On a un petit point de commandement, est-ce que ça vaut le coup de lancer une attaque? Je pense que oui. Ah, il y a un Tyrannophex, non, un Tergivon ici. Allez, c'est parti. Voilà, ça a diminué un peu déjà. On voit personne par ici, mais bon. On va être capable de protéger un peu comme ça. Il reste cela, c'est parti. Là on a un trou ici. Faut qu'on le remplisse, n'importe quoi. Alors l'archiviste il a pris un petit peu cher. Donc on va pas trop avancer avec. On va lui laisser la couverture. On pourrait même le mettre derrière d'ailleurs. Defensive zone set. Who tests my conviction? I defy their existence. 90% de chance, ça se prend. They will regret coming this close. Il reste eux qui vont pouvoir protéger un peu par là et eux qui vont pouvoir protéger un peu par là. Et elles qui pareil vont protéger le corps de Kindar. Toi, t'as 100% de chance de toucher donc tu me termines ça. Si c'est un petit peu le marteau piqueur n'est-ce pas, tout ça la mouche.
on passe le tour. Ok. Attaque de réaction pistolet, ils me sautent dessus puis un angle mort, mais ils sont morts. Parfait. Ça c'est très très bon. Il y en a d'autres qui arrivent. Ah. Ça c'est plus gênant. Surtout que vu comme ils sont placés, on va pas pouvoir beaucoup s'avancer. Donc on va juste avancer, je pense, d'une case pour activer le cadavre. Tirer à la distance où on sera. Une saloperie derrière là-bas, pour l'instant c'est moins grave. Allez, le coup de hache. Voilà, parfait. Efficace le Tech Marine quand il veut. Oula. Excusez-moi. Encore de la gargouille, la vache. Il faudra que je vois si je peux pas avancer mon lance-flamme lourd, parce que là, si je peux caler une attaque de 2 de distance là-dessus, ça va faire plaisir quand même. Hein. Je pense qu'il est un petit peu trop loin là. Peut-être au prochain tour. Oh, ils sont combien? Vache! Cette violence. Encore? Mais arrêtez-les! Impressionnant, dis donc. Rien que le tour de l'ennemi fait la moitié de l'épisode, je suis désolé. Il y a tellement de monde, faut tirer. Purée. Oh là là, mais combien sont-ils? Bah du coup, je vais peut-être pouvoir m'approcher assez près pour caler une lance-flamme. De fait... Alors, mon lance-flamme il est là. Il faudrait pas mal dégager le chemin si je voulais l'utiliser. C'est parti. Alors là, comment ça marche du coup? Si je fais ça, non, c'est tout pourri comme angle. Il faudrait que je me mette plutôt ici si je voulais utiliser ça. On va essayer d'utiliser ce truc là pour voir. La lance de sang. Oh, c'est classe. Je veux. On a une action supplémentaire en plus. Ok, il fait le taf, le coco. Le coco. J'appelle mon archiviste le coco, tout à fait. Et là, on est trop loin malheureusement pour un petit lance-flamme de zone, c'est presque dommage. Il faut quand même venir, hein, parce qu'il faut, protéger là. Alors, on y va plutôt au lance-flamme ou plutôt au lance-grenade? Plutôt au lance-flamme, je pense. Faut nettoyer un peu la zone là. L'archiviste tout seul devant. Ça peut se tenter, mais c'est surtout lui qui m'inquiète là. De dégâts, c'est rien de fifou. 80% de chance de toucher là. C'est pas mal, mais pas ouf non plus.
Ici, on pourrait essayer d'aller endommager le Tyrannofex, pourquoi pas, avec lui également. Faudrait quand même qu'on soit capable de nettoyer ce truc-là devant si on pouvait, mais je vois pas trop comment on pourrait faire en fait. Hein. Donc pour l'instant, on va y aller comme ça. On va se prendre la surveillance, c'est pas hyper grave, c'est des petites merdes. Donc je sais, on m'avait dit, hein, le problème c'est que si on met les unités devant, etc., ça empêche celles qui sont derrière éventuellement de tirer. Le problème c'est que si je mets d'abord celles qui sont derrière, bah, ça empêche celles qui sont devant d'avancer. Donc c'est un équilibre à trouver qui n'est pas forcément hyper simple non plus. Alors là, il peut me dépouiller. Hein. D'ailleurs, vu qu'on a toute notre vie, on va prendre le risque. Ça passe. Ok, le Tyrannofex c'est fait. Ça c'est vraiment des trucs que j'aime pas. Du coup, j'ai un petit peu moins peur de venir ici. Surpuissance, et on envoie... Hop là, ça c'est fait. A toi frère Arturo. Défense D contre la Horde pendant 0 sur 6 tours. Pas. On va venir ici et on va mettre un petit boost de portée. Ah non, t'as plus de points d'action, pardon. L'escouade d'assaut, elle va venir là. Du coup, ici, est-ce qu'on peut éventuellement s'en plier ? On avait avancé au max. Alors, il nous reste là où on peut faire des choses quand même. Hein. Et à droite aussi. On a un archiviste un peu endommagé, mais c'est pas non plus fondamental. On peut charger avec lui. Ça, ça peut être le bon plan. Là, il peut venir ici. Ah, l'archiviste se prend une petite attaque, c'est pas grave. Allez, vas-y, avec ta hache. C'est pas ouf, mais ça fait le taf. On va défoncer un peu ça. Toi, si je fais ça, tu peux venir jusqu'ici, hein. Vas-y. Fais-toi plaisir. Il fait trop mal pour qu'on s'en passe, hein. Nickel. Et donc, il reste eux. Non, eux, ils ont tiré aussi. Il reste Sir Verity, qui pourrait faire un peu mal à ça, mais elle est un peu loin. Donc, on va là plutôt l'avancer. Et activer son pouvoir là. Voilà, ça c'est propre ça. Alors ici, on pourrait faire 80 de dégâts là-dessus ou nettoyer ça. On va nettoyer ça. Cette rafale quoi. Allez, finis-les. Parfait. Franchement parfait. Il reste vous. Pointez-vous en vitesse. Toi c'est pareil, tu vas activer ton petit truc. Là on va commencer à faire mal à celui-là. Hop, là. On finit ces petites merdes, si on peut. On affecte une unité de mêlée. Non, c'est pas utile le reste. Voilà. Là, à tout hasard, oui, on a un bon taux de chance. En plus, on est full life. C'est parti. C'est vraiment quasiment de l'artillerie, ce truc. Bien joué. Très très bien joué. On va les couvrir avec un petit truc comme ça. Hop. S'ils font le tour par là, tant pis. On pourra s'encaisser un tir. C'est parti, on passe. Et ben voilà, ça calme. Hein. Alors là, il va y avoir du monde. Hein. Je pense qu'on va pouvoir faire quasiment un troisième épisode hein, sur ce combat. Aïe. Ça pique.
façon, vu le monde qui est en face, au bout d'un moment, on va prendre des dégâts, hein, c'est fatal. Là, ça fait du bien d'activer les zones de contrôle. Hein. Alors là, ils attaquent qui? Eux? Parfait. Non, parfait. Ça se discute, mais au moins, ça répartit un petit peu les dégâts. En plus, il en reste un, ce qui fait que ça prend la place, donc eux pourront pas venir. Alors, ils attaquent celle-là, dommage. Ah, ça les a supprimés, ça c'est bon ça. Ah, il y a des petits trucs au corps à corps là. Il en reste un. Deux. Les soigner carrément hein, là je pense que ça va être mon frère Arturo. Ils savent plus où se mettre tellement il y a pas de place quoi. Archiviste, il en est où? Ça va, il encaisse bien. Alors, il faudrait pas qu'il nous fasse une attaque de groupe au mauvais endroit. Là, ça va, c'est acceptable. Active sa surveillance aussi. Allez. On a de nouveau un tir. Je pense qu'on va l'envoyer là-dedans. Nettoyer ça. Voilà, plutôt pas mal. Ça fait le taf. Ici. Toi, tu peux venir faire coucou à celui-là avec ton copain. Que quoi? Ah la vache! D'accord! Je pensais pas que ça lui ferait une zone de contrôle, bah autant pour moi. Je voulais le dégager justement pour que lui puisse venir et s'amuser, mais tant pis, on va soigner un peu du coup. Il va falloir faire ça autrement. Alors, est-ce que je peux utiliser ça? Non, je peux pas utiliser ça. On va perdre quelques troupes là. Je vois pas trop comment faire autrement malheureusement. Je peux pas me mettre au milieu pour mettre mes boosts là. Et lui, si je le mets là... Il y a peut-être moyen, je peux peut-être faire ça. Oui, je peux faire ça. Ça te prie. On peut le replier lui du coup. Enfin, tant qu'à faire, on met une attaque. Hein. Voilà. Par contre, il va falloir mettre du monde devant pour protéger très clairement. C'est vrai qu'on voit pas trop les zones, mais là effectivement, il y a une attaque de contrôle. Là. Alors toi, si tu pouvais finir celui-ci à la tronçonneuse, ce serait pas mal, merci. Du coup ici, vas-y, à l'arrière.
Il s'est retourné le petit salaud. Je ne pensais pas qu'il ferait ça. Bon bah du coup on va allumer. Allez. Est-ce qu'il se retourne? Non, il se retourne pas. Voilà, ça c'est fait. Toi tu vas là. Pourquoi c'est sur ta propre case? J'espère que tu vas pas t'attaquer toi-même, ça me ferait chier. Non, bon bah mais c'est pas ouf non plus, mais bon tant pis. Hein. Ici on allume ces petites gargouilles. Ok, c'est propre. Ah, il en reste une. Ah, il en reste une, putain, je l'avais pas vu, il était en hauteur là. C'est pas très très gentil. On avance, on prend le tir là-bas. Ici, on va leur cramer la tronche. Bah là, du coup, on va avancer avec lui, tant pis. Hein. Ah, ici, on a droit à une attaque supplémentaire. C'est parti. Ici, on est soigné, on va donc avancer un peu pour protéger ceux qui sont endommagés. Parfait. Toi, tu vas là. Tu m'allumes ça. Ok. Ici, t'as plus de points d'action. Toi non plus. Le lieutenant Carleone non plus. Par contre, on aurait du monde encore derrière. Ouais. Toi, viens là. Tu vas essayer de terminer ces petits trucs là qui traînent. Utiliser ça, 31%, c'est peut-être un peu faible quand même. On va mettre celle-là pour protéger un peu et eux à l'arrière. Je sais pas s'il y a des trucs qui vont venir par derrière, donc dans le doute, on va laisser cela surveiller. Juste au cas où. Toi tu fais tout ce que tu pouvais faire, toi par contre non. Et vous, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire, donc là on peut tirer un peu, ça fera pas de mal. Ok, est-ce qu'il reste du monde? Il reste ceux-là. Diminuer ceux-là, comme ça s'ils veulent charger quelqu'un, ils feront un peu moins de dégâts. Surpuissance, on va plutôt finir ça. Voilà. Et après, il reste eux qui devraient pouvoir, je pense, terminer ici. À 77% de chance, il y a moyen. Ici, on couvre. Ici, on couvre. Et on a terminé le tour, mais on va arrêter l'épisode là, puisqu'il est suffisamment long et que cette bataille est sacrément longue et sacrément épique, hein, on va pas dire le contraire, il y a du monde en face, c'est un truc de fou. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très vite pour la suite, merci à toutes et à tous.